En Chine, les statistiques montrent que le nombre de réservations de billets sur les principales plateformes touristiques pour la fête des morts est revenu au même niveau qu'en 2019 à la même période. Le nombre de visites est estimé à quelque 100 millions avec un premier pic de voyages interprovinciaux cette année. Face à l'augmentation de l'aspiration à voyager, les experts rappellent toutefois la nécessité de ne pas relâcher les efforts en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie et de miser sur l'autoprotection. 综合大数据统计显示，各大旅游平台预订清明节时期景区门票的人次已经恢复至2019年同期水平。 预计今年清明节出游人次将达1亿人次，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。专家提醒，在出游意愿增强的情况下，疫情防控不松懈，要做好自我保护。 N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour recevoir de nouvelles émissions. 大家好，敬请订阅并点击小铃铛。